Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette d'un gâteau au chocolat et orange. J'aime beaucoup ce combo de goûts et je me suis dit que j'allais le faire en gâteau. C'est une recette qui est très facile à faire, j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer la recette, si tu aimes mes vidéos et que ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et aussi à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Maintenant c'est parti, on commence et on se retrouve juste après. Il vous faut 320 g de farine, 180 g de sucre, 120 g de pépites de chocolat, un sachet de levure chimique, 180 g de beurre, 2 oranges et 4 œufs. Je commence dans mon plat par y mettre mon beurre qui est mou, donc sortez-le à l'avance ou passez-le 10-20 secondes au micro-ondes. Je mets le sucre et avec le fouet, je mélange pour que ça devienne un mélange un peu crémeux. Je viens ensuite y ajouter mes œufs. Et je remélange une autre fois encore avec le fouet. Ensuite, je vais venir prendre mes oranges. Et je vais venir récupérer le zeste d'une orange. Et ensuite, je vais venir couper mes deux oranges en deux pour venir récupérer le jus. Et je verse le jus d'orange dans mon plat et je mets un petit tamis pour éviter qu'il y ait de la pulpe dedans. Et je mélange. Je viens ensuite avec un tamis encore tamiser la farine. Je viens mélanger en restant principalement au centre. Je viens y ajouter la levure chimique et les pépites de chocolat. Et là, donc normalement, vous avez une pâte bien épaisse et c'est tout à fait normal. Je viens prendre un moule à cake de taille standard et je viens donc beurrer le fond et le tour de mon moule. Je viens verser la pâte dedans. Et je fais cuire à 180 degrés pendant 45 à 55 minutes. La lame du couteau doit ressortir propre. Une fois cuit, je laisse totalement refroidir dans le moule. Et une fois totalement froid, on peut venir le démouler. Ensuite, j'ai découvert de quelques pépites de chocolat au-dessus. Et après, j'ai pris, donc il me restait mon autre orange, et j'ai mis du zeste par-dessus. Et voilà, votre gâteau est prêt. La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime à la vidéo, laissez-moi un commentaire pour me le dire si vous avez aimé. Si vous réalisez cette recette, partagez-moi après vos photos sur un de mes réseaux sociaux en pensant à me notifier. Si tu aimes mes vidéos, pense à t'abonner et aussi à activer la petite cloche pour être prochaine fois notifié quand je sortirai ma prochaine vidéo. Pensez aussi à la partager autour de vous, la recette. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!